Bonjour l'ex-baz, bienvenue. Alors, on choisit pas ses clients. Et tant mieux d'ailleurs, c'est une bonne chose parce qu'on n'a pas envie de choisir ses clients. Et les clients viennent par hasard parfois, souvent par recommandation, par le bouche à oreille. Et en réalité, on a une grande diversité de clients. On défend aussi des entreprises, on défend des personnes physiques. Et parmi les personnes physiques, tout le monde peut être confronté à la justice pénale. Par exemple, je fais pas mal d'infractions sexuelles et notamment de viols devant les cours d'assises. Et en réalité, les personnes poursuivies pour des faits de viol sont d'une diversité sociale hallucinante. Il y a des personnes qui sont chômeurs, il y a des plombiers, il y a des fils de famille, il y a des hommes politiques. Et on a une vraie diversité de clientèle. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est clair que ce métier, c'est une fenêtre sur le monde hallucinante. Et c'est peut-être d'ailleurs la qualité numéro un de ce métier, c'est qu'en en fait, on fait un métier, mais en réalité, on fait 1000 métiers. Et on a accès à 1000 vies et à 1000 univers. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve fantastique dans notre métier. Alors, 2023, nouveau projet. C'est une année importante pour nous parce que on a créé notre cabinet au 1er janvier. Et évidemment, on en est très fiers. On a créé ce cabinet, on est 4 associés, très complémentaires, on se connaît très bien. On fait une dominante de droit pénal, on a des stagiaires, actuellement on accueille 3 stagiaires, qui sont d'ailleurs les 3 en césure de Sciences Po Paris. Certains sont partis aux États-Unis dans des écoles assez prestigieuses, d'autres ont fait des cabinets prestigieux avant de nous rejoindre, donc ça on en est particulièrement fiers. Et puis on a aussi des collaborateurs. Des jeunes collaborateurs qu'on forme, qui viennent de prêter serment. Et c'est aussi un des plaisirs de faire ce métier, même si en fait on est jeune et qu'on n'a que 10 ans d'expérience. Mais en réalité, en 10 ans d'expérience, on accumule un petit savoir-faire. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose auquel on est très attaché, de pouvoir apprendre aux plus jeunes, de pouvoir former les plus jeunes et de pouvoir faire en fait découvrir notre méthode. Franchement, c'est un plaisir de venir tous les matins au boulot. Je disais qu'il y avait des aspects humains, des aspects camaraderie qui étaient importants dans le métier. Il y a aussi un aspect entrepreneurial qui est important, qui est assez nouveau. Je pense qu'aujourd'hui, on ne dirige pas un cabinet d'avocats comme on dirigeait un cabinet d'avocats il y a 10 ans ou il y a 30 ans. On le voit avec les réseaux sociaux, on le voit avec les legal tech. Et c'est clair que nous, le côté entrepreneurial, on l'apprend, c'est comme tout. Le management, pareil, on l'apprend, mais c'est quelque chose qui nous plaît. Et objectivement, on se sent assez heureux d'être aussi entrepreneur. On sort de nos bouquins de droit, on sort de nos robes poussiéreuses, et en fait, on essaye de faire de nos cabinets d'avocats des vraies entreprises, avec des valeurs. Et puis, on a des valeurs qui sont tout aussi tradies, comme la confidentialité. Je pense que quand on vient voir un avocat, c'est pas pour que son avocat il se répande partout. On vient voir un avocat qui est discret, on va voir un avocat qui est secret, et on va voir un avocat, ça c'est peut-être la dernière valeur, qui est efficace. Nous, on n'est pas là pour tourner autour du pot ou pour vendre des trucs qui sont abscons ou qui sont pas concrets. Je pense qu'on essaye au maximum de se mettre à la place des clients. Et je pense que les clients, en fait, ça leur fait pas plaisir de venir voir un avocat, ils préféreraient partir en vacances. Je pense que ça leur fait pas plaisir de dépenser de l'argent pour un avocat, ils préféreraient partir en vacances également. Mais quand les gens sont obligés de venir nous voir, au moins ce qu'on leur offre, c'est un savoir-faire et c'est de l'efficacité. On essaie d'aller droit au but. On sait que notre pratique, ce qu'on fait, ça les intéresse pas forcément. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du résultat concret derrière. Et je pense que notre équipe, notre alliage, on est à même de pouvoir leur offrir ces résultats. Hop là. Je vais passer l'entretien. Ok, ça marche. Ce qui est plaisant aussi dans le métier, c'est qu'on ne fait jamais ce qu'on a prévu qu'on allait faire dans la journée. Avant de venir au cabinet, le matin, dans ma tête, je sais que je dois faire ci, que je dois faire ça, que je dois appeler un tel, que je dois faire telle conclusion. Et en réalité, quand on arrive au cabinet, tous les jours, tout est bousculé parce qu'il y a des urgences, il y a des sujets intéressants, il y a des sujets nouveaux. On a souvent des petits problèmes du quotidien quand on est pénaliste.
Il y a des correctionnels, il y a des problèmes de stupéfiants, des problèmes de violence conjugale. Mais parfois, on a aussi des procédures plus lourdes, des procédures criminelles, d'assassinat, de meurtre, de viol. Et dans ces procédures les plus lourdes, on a aussi des problèmes de droit très complexes. Et on pense qu'en réalité, les pénalistes, il y a une sorte de mythe où ils fument des cigarettes, ils vont à droite à gauche dans les trains, et en fait, leur métier, ça consiste à plaider, mais les avocats pénalistes sont aussi des avocats et aussi des juristes, et évidemment qu'on fait du droit. Et moi, je suis très attaché à ça, je pense que c'est très important le droit dans notre métier. On prend la robe, la bonne, celle-ci, et on va aller à cette audience. Un dossier quand même, toujours très utile. Allez, c'est parti. Nous sommes ici à la cour d'appel de Paris et on assiste à un procès qui dure une semaine, cinq jours, devant la cour d'assises spécialement composée en matière de terrorisme. Cette affaire, elle est également particulière pour moi parce que on est en matière de terrorisme, mais mon client n'a pas du tout le profil ni d'un terroriste, ni d'une personne qui pourrait appartenir à une mouvance islamiste quelconque. C'est en réalité quelqu'un qui est athée. Sa radicalité n'est pas du tout en question, tout le monde le reconnaît. C'est d'ailleurs un homme d'affaires, d'origine allemande, qui a une partie de son activité qui est de faire des transferts de fonds internationaux avec beaucoup de bureaux de change dans le monde, et notamment des bureaux de change avec la Turquie. Et parmi le flot de centaines, voire de milliers d'opérations de transfert international qu'il a pu effectuer à cette époque-là, nous sommes en octobre-novembre 2016, eh bien, une petite dizaine est considérée comme suspecte, puisque en réalité, nous dit l'accusation, ce qui n'est pas vraiment contestable, et ce qui n'est pas contesté d'ailleurs, une infime partie de ces fonds serait tombée entre les mains par le truchement de différents bureaux de change de combattants de l'État islamique, qui pour la plupart étaient d'ailleurs des Français. Et mon client a été accusé de participer à une opération de financement de terrorisme. Donc c'est une affaire qui est en appel aujourd'hui. Elle va durer une semaine. À la fin de cette semaine, nous aurons le verdict, parce que c'est aussi la particularité de la cour d'assises, c'est que le verdict est rendu immédiatement à la fin. Il n'y a pas de délai d'attente. Et si nous n'obtenons pas de gain de cause, eh bien, nous serons assez tentés, je pense, d'aller jusque devant la cour de cassation, parce que c'est assez rare devant la cour d'assises, où on juge beaucoup de faits. Nous considérons qu'il y a une question juridique qui est très intéressante. C'est celle de la preuve, de la connaissance, de la destination des fonds. Vous pouvez toujours envoyer un... Mais ça, c'est la meilleure CV forme. CV avec un petit courrier. Je vois. Regarde. Je parle la tâche sur un poteau qui est au milieu de la station de taxi, là, dans l'hôtel. Une voiture de train. En bagnole, c'est hyper bien. Ah, bien sûr. Moi, j'adore la bagnole, mais là, tu peux pas. Ouais, du coup, là, c'est galère. Alors là, on est devant la cour d'assises de Melun. C'est le premier jour du procès. Comme vous avez vu, c'est un peu l'effervescence le premier jour des assises, parce que il y a l'appel des jurés, l'appel des témoins, il y a des journalistes, il y a des curieux. Donc c'est toujours un moment un peu d'effervescence. Après, ça se calme. En réalité, à partir du deuxième jour, on est un peu tout seul dans la salle. Mais le premier jour, c'est toujours particulier. Les journalistes, ça peut être un atout pour les avocats, ça peut être aussi une tare, ça peut être un poids.
Je pense que pour répondre à votre question, la règle, en fait, ça doit être celle de l'intérêt du client. Il y a des affaires et des clients pour qui on a intérêt d'aller dans la presse. C'est assez rare en réalité. Moi, je le fais assez peu. Mais il y a des affaires qui le justifient. Parce qu'il faut donner un coup de publicité, parce qu'il faut peut-être accélérer les choses, parce qu'on n'a pas d'autre cours. Et puis, voilà, il faut simplement savoir jouer avec cette composante, qui est la composante médiatique, qui fait aussi partie de notre métier. En réalité, ça concerne un petit pourcentage des affaires, mais voilà, il faut savoir jouer avec. Et là, bah, on est là pendant une dizaine de jours à Melun. C'est pas facile, parce que les audiences commencent tôt, elles finissent tard. C'est épuisant, on met un peu sa vie personnelle et sa vie de famille de côté. Mais c'est assez excitant et en réalité, voilà, la cour d'assises, c'est la reine des juridictions et c'est toujours très engageant d'être devant ces juridictions. La disparition des jurés populaires, c'est une bonne question. Moi, j'y suis pas favorable de manière générale. Je pense que les affaires les plus graves nécessite que l'implication des citoyens lambda. Après, je pense que sociologiquement, la population a changé. Je pense que le nombre d'acquittements est beaucoup moins important aujourd'hui qu'il l'était à l'époque. On a aussi une radicalisation de la population française. Il n'y a qu'à voir le résultat des élections. Et en réalité, je ne suis pas certain que les jurés populaires soient toujours un atout pour la défense. Souvent, on parle de manière informelle avec des présidents de cours d'assises qui nous disent qu'ils ont dû tempérer les jurés en réalité pour avoir une peine moindre. Parce que c'est vrai que les jurés ne sont pas confrontés à la justice, ils ne sont pas confrontés à l'atrocité des actes. Et souvent, quand ils entendent ce qu'ils entendent devant les cours d'assises, leur première réaction, nous disent les présidents d'assises, c'est quoi la peine max ? Ils veulent mettre la peine maximale. Et dans ce rôle-là, parfois, les magistrats professionnels sont plutôt dans une tendance d'apaisement en disant « Mais écoutez, il y a des jurisprudences, on ne peut pas mettre le maximum parce que le maximum, c'est réservé aux affaires les plus graves, qui sont beaucoup plus graves que celles-ci, etc. » Donc les jurés, ça a des avantages et ça a des inconvénients. Mais pour l'instant, pour les affaires les plus graves, je trouve que c'est quand même important et intéressant d'impliquer les citoyens dans la prise de décision de justice. C'est quand même quelque chose de fondamental, c'est un socle de notre démocratie et c'est normal que les citoyens y participent. Super beau, donc gardez-les. Alors, combien d'avocats pour se défendre ? Ça, c'est une bonne question. En réalité, il n'y a pas de règle. On peut prendre autant d'avocats qu'on veut. On peut prendre un avocat comme on peut en prendre 5, comme on peut en prendre 10. Après, il y a quand même des questions d'utilité. Est-ce que c'est utile de faire passer un message judiciaire par 3 ou 4 personnes différentes ? Comment ça peut s'organiser ? Combien ça peut coûter aussi ? Parce que il y a un sujet des frais d'avocat. Et donc, en réalité, pour, on va dire, des affaires classiques ou mineures, souvent les gens sont défendus par un avocat. Et puis, pour les affaires plus complexes, qui dure plus longtemps, où les enjeux sont plus importants, il n'est pas rare d'être avec un de ses confrères, soit du même cabinet, soit en réalité deux avocats de deux cabinets différents. Moi, je considère que c'est un luxe d'être avec un avocat. C'est aussi un plaisir de partager l'exercice de son travail avec un confrère. Je dirais même que c'est peut-être un des aspects les plus agréables du métier que j'ai la chance d'exercer. Cet aspect, c'est celui du partage, partager la défense, les bons moments, parce qu'il y a quand même quelques bons moments, et les moins bons moments, et ils sont plus nombreux, parce que lorsque vous êtes engagé sur une semaine, sur deux semaines, sur un procès d'assises, où les faits sont très graves, où l'accusation est très forte, où vous prenez la tempête pendant deux semaines, bah, c'est vrai que le soir, aller au restaurant, boire un verre, débriefer, essayer de savoir comment on peut se faufiler dans les failles de l'accusation, bah, c'est sûr qu'à deux, à trois, on est toujours plus fort.
Alors malheureusement, on est souvent seul à la cour d'assises, très seul, mais quand on est accompagné, franchement, l'affaire est beaucoup plus facile à gérer. Et il y a moins de moments de solitude, parce qu'il peut y avoir des gros moments de solitude aux assises, quand vous êtes à l'autre bout de la France, que vous êtes loin de votre famille, que l'affaire elle dure 3 semaines, que vous dormez dans un hôtel pourri, en fait tout joue contre vous, que vous en prenez plein la gueule tous les jours. Bah, c'est clair que le soir, vous rentrez à votre hôtel, vous en avez un peu gros sur la patate, et le lendemain matin, il faut recommencer. Bah, ça, c'est aussi la vie du pénaliste. Et rétrospectivement, c'est assez rigolo en réalité, ce genre de période, mais sur le moment, franchement, il y a certaines affaires, il faut l'assumer, quoi. Et puis, il y a des procès où il y a plusieurs accusés aussi. Chaque accusé peut avoir un avocat, mais il se trouve qu'on partage le banc de la défense à plusieurs, de fait. Et généralement, les intérêts entre les différents accusés sont convergents. Mais pas toujours. Parfois, on peut être dans une configuration où il y a deux accusés, chacun a un avocat, et en réalité, les deux s'accusent mutuellement du crime. Et là, en réalité, c'est vrai que la solidarité qui règne sur les bancs de la défense, là, c'est l'inverse. Et en réalité, notre accusateur, notre ennemi judiciaire, c'est un avocat de la défense également. Et cette configuration, évidemment, est assez intéressante aussi parce que c'est une autre chose que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est la confraternité. Et c'est un combat viril, le combat judiciaire. Mais dès qu'on a passé les portes de la salle, qu'on a posé la robe et qu'on se retrouve au café en face ou la semaine d'après dans une autre affaire, en réalité, tout est oublié et ce qui se passe dans la salle d'audience est une chose. C'est pas du spectacle, c'est pas vrai, mais on joue un rôle aussi. Et ça, je trouve ça intéressant qu'on puisse jouer un rôle, mais qu'une fois qu'on sort de la salle d'audience, tout est oublié. Ce sont les rapports humains, amicaux, d'estime, de respect qui reprennent le dessus. C'est un aspect que j'aime bien du métier. Sont publics. Et ça, c'est une donnée assez importante de la justice, à savoir que n'importe quel citoyen peut pousser la porte d'une salle d'audience au hasard et regarder comment est rendue la justice. Et ça, c'est une donnée essentielle. Dans les salles d'audience, vous avez tout un public un peu hétéroclite, vous avez des retraités, des classes de collégiens, de lycéens qui viennent voir comment est rendue la justice. Il y a aussi des proches des accusés, des proches des victimes. Et souvent également, les salles d'audience, il faut le dire, sont assez vides. Après, il y a des affaires, c'est pas le cas de celle-ci, même si les faits sont très graves parce que là, on est sur un assassinat, mais il y a des affaires où la justice est rendue à huis clos parce qu'on a besoin de secrets, on a besoin de sérénité. C'est par exemple les affaires où les victimes sont des mineurs. Dans ces cas de figure-là, par exemple, le huis clos est automatique. Alors, la justice, elle est rendue publiquement, mais elle n'est pas filmée. Et là, récemment, sous l'impulsion du ministre de la Justice, il y a une réforme pour pouvoir filmer des procès. Alors c'est très encadré, parce qu'il faut respecter la vie privée, respecter la présomption d'innocence, il faut sélectionner certains procès, il faut sélectionner les chaînes sur lesquelles ils sont diffusés, donc c'est assez restreint. Mais on va peut-être vers une américanisation de la justice et plus de procès filmés. Moi, j'y suis pas défavorable. Je pense que ça peut être intéressant que le maximum de personnes se rendent compte dans les conditions dans lesquelles sont rendues la justice. Et la particularité du procès dans lequel je suis, puisque je suis en appel devant une cour d'assises, les procès en appel devant une cour d'assises, en revanche, sont enregistrés de manière sonore. Parce qu'on estime que si jamais on veut aller jusque devant la cour de cassation pour contester la régularité de la manière dont s'est déroulé le procès, eh bien la bande sonore fait foi. Et grâce à la bande sonore, on peut prouver qu'un témoin n'a pas prêté serment ou qu'un témoin manquait à l'appel. Et c'est assez important également pour la procédure. Alors, la justice devant la cour d'assises, elle est rendue par des juges, mais elle est aussi rendue par des jurés populaires. Des jurés comme vous et moi qui sont tirés au sort sur les listes électorales et qui viennent rendre la justice au nom du peuple français. Et effectivement, pour répondre à votre question, on peut, comme vous l'avez vu, récuser des jurés, ce qu'on a fait tout à l'heure.
Il n'y a pas de règle en réalité pour récuser les jurés. Les seules informations dont on dispose, c'est leur date de naissance et leur métier. Il y a une circulaire de 2000 qui te dit que quand le mec plaide l'acquittement, quand l'accusé plaide l'acquittement, et que l'accusation soutient l'accusation, et que l'accusé fait appel, il est de bonne administration de la justice que l'avocat, l'avocat général se déporte pour pas qu'il y ait une image d'acharnement dans l'esprit du justiciable. Chacun a ses petites règles pour récuser les jurés. C'est un peu à la tête du client, ça peut être au feeling. Ça dépend des affaires aussi. Par exemple, si vous êtes une affaire de braquage de pharmacie, bah, les avocats de la défense vont plutôt avoir intérêt à récuser les commerçants parce qu'on a toujours peur que les jurés s'identifient à la victime et soient moins cléments pour l'accusé. Mais en réalité, chacun a ses petites règles. Pour des affaires de viol, vous avez des avocats qui considèrent qu'il vaut mieux avoir des jurés hommes. Et à l'inverse, vous avez des avocats qui considèrent qu'il vaut mieux avoir des jurés femmes. Il n'y a pas de règles. Et je pense que chacun fait ça en conscience. Mais c'est un droit absolu, celui de pouvoir récuser un nombre restreint. Hein. Là, en première instance, la défense a le droit de récuser 4 jurés et l'accusation a le droit d'en récuser 3. Et en appel, on a le droit à une récusation supplémentaire par partie. Voilà, ce sont les règles de la cour d'assises. La cour d'assises a des 1000 petites règles comme ça. Et c'est ça qui rend aussi l'exercice passionnant, parce qu'il y a beaucoup de règles à assimiler et c'est une procédure assez particulière. Les clients, il y a évidemment une forte relation de confiance entre un avocat et son client, et a fortiori entre un avocat pénaliste et son client, parce que on rentre par réfraction dans la vie privée, la vie intime des personnes qu'on défend, et il faut avoir une confiance absolue dans son avocat. Et s'il n'y a pas cette confiance, en réalité, on ne peut pas exercer convenablement. Après, est-ce que l'avocat doit avoir confiance en son client ? Oui, évidemment, c'est toujours mieux d'avoir aussi confiance en son client. Mais en réalité, le rapport à la vérité, on s'en moque un peu. La majorité de nos clients mentent à leur avocat en premier lieu. Mais j'ai envie de dire que c'est très bien ainsi. Notre but, c'est pas de connaître à tout prix la vérité. Notre but, c'est de regarder un dossier objectivement et de voir si la position défendue par le client, elle est viable, elle est audible pour un magistrat. Si ce n'est pas le cas, bah, notre métier, c'est aussi de dialoguer calmement, sans brûler les étapes avec un client, pour lui dire « Écoutez, monsieur, en fait, il y a tel élément, et faire comprendre à la personne qu'en réalité, sans remettre en cause sa parole, que les affaires s'annoncent de manière un peu plus compliquée, un peu moins simpliste que lui le pensait, et peut-être le faire dévier sur une position qui est plus stratégique pour lui. Mais si en réalité le dossier est plutôt bon, ce qu'on appelle nous d'un point de vue pénaliste bon, c'est-à-dire qu'en réalité les preuves manquent ou les éléments sont très faibles, à la limite connaître la vérité, c'est pas notre souci. Nous, ce qui nous importe, c'est la vérité judiciaire, et la vérité judiciaire, c'est est-ce qu'il y a des preuves, est-ce qu'il n'y a pas de preuves. S'il n'y a pas de preuves, bah, c'est la vérité judiciaire qui l'emporte. Notre client est innocent. Et peu importe de la vérité des faits, on ne la connaîtra jamais et elle restera dans la conscience de notre client, mais on n'est pas son père et on n'est pas son objecteur de conscience. Et on est simplement un conseil et un accompagnateur dans ces moments difficiles. Et on essaie de faire notre métier de la manière la plus efficace possible. Parce qu'encore une fois, quand on vient voir un avocat pénaliste, on ne va pas se mentir. C'est simplement pour gagner. On va essayer de mettre tout ce qui est légalement et possiblement notre pouvoir pour arriver à ce but. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça, notre métier en réalité.